Je m'appelle Seydou Sofiat. J'ai travaillé sur le thème intitulé « Extrême hydroclimatique et sécurité alimentaire dans la basse vallée de Louémé ». On a constaté que la basse vallée de Louémé est en insécurité alimentaire, surtout dans les communes de Bonou, Dambo et Agégué. En utilisant les composantes de la sécurité alimentaire telles que la disponibilité, l'accessibilité et la consommation. On a eu à proposer des stratégies d'adaptation sont utilisées pour faire face aux extrêmes hydroclimatiques. Mais ces stratégies ne sont pas efficaces jusqu'au point où la basse vallée de Louémé est en insécurité alimentaire. Donc sur ces bases, on a proposé un système d'alerte pour veiller à la sécurité alimentaire qui est composé de 4 éléments. Le système d'information et d'alerte rapide, le système d'information sur les marchés, le système d'information sanitaire et le système d'information sur la nutrition. On dit un grand merci à l'Université d'Avoumé-Calavi et un grand merci à l'équipe du Conseil scientifique. Ces fonds nous ont aidés à mener à terme notre travail et ça nous a permis d'avoir de bons résultats qu'on pourra valoriser pour la recherche scientifique.